Écoutez le monde changer. La France affronte sa plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir. Le président a évoqué une deuxième vague de l'épidémie. Oui, elle pourrait toucher non seulement les seniors, mais aussi des personnes plus jeunes, ce qui ajoute forcément à l'inquiétude générale. Ève Roger, vous nous avez rejoint pour nous expliquer plus clairement ce que ça veut dire cette deuxième vague. Alors c'est vrai que ce terme peut porter à confusion, ça ne veut pas dire qu'une deuxième vague de l'épidémie qui ne toucherait cette fois-ci que des personnes jeunes va arriver, non. C'est qu'on s'est rendu compte seulement récemment que des personnes jeunes aussi et même en bonne santé pouvaient avoir des formes gravissimes de la maladie et même parfois en mourir. C'est une étude chinoise du 28 février dernier qui a mis la puce à l'oreille. On s'est rendu compte alors que le virus pouvait être dangereux sur toutes les classes d'âge, à 40, 50 ou 60 ans, mais attention, elle dit aussi que la dangerosité augmente avec l'âge. Et puis, depuis quelques jours, les médecins en France voient arriver ces patients jeunes dans leur service. C'est le cas de Gilles Pialoux, chef du service infectiologie à l'hôpital Tenon à Paris. Sur le terrain, on a déjà cette impression-là quand on compare les chiffres italiens avec les chiffres chinois et qu'on compare aussi avec la grippe, où il faut arrêter d'ailleurs de comparer le coronavirus avec la grippe, on s'aperçoit qu'effectivement dans les réanimations à Paris, dans l'est de la France, il y a des sujets jeunes qui n'ont pas de comorbidité et donc on n'est pas dans un phénomène où il suffit d'avoir, je dirais, une pathologie et plus de 75 ans. C'est une façon de préparer aussi à quelque chose qui est déjà une réalité sur le terrain. Oui, mais Ève Roger, il y a une question qui revient très souvent. Pourquoi est-ce qu'on nous a dit pendant des semaines que c'était seulement une grippette? Eh ben parce qu'au début, quand le coronavirus arrive, les virologues le comparent à ce qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire la grippe. Et donc, ils appliquent ce modèle, 80% de formes bénignes et les formes plus graves réservées aux plus âgés ou aux plus fragiles. Et puis, avec le recul et puis l'accumulation des études, on se rend compte que le coronavirus a son propre modèle. La moitié seulement des morts ont plus de 75 ans, contre 86% pour la grippe. Il peut y avoir une aggravation brutale de la maladie entre le 7e et le 10e jour. Et le passage en réanimation dure une vingtaine de jours contre 3 ou 4 pour la grippe. Merci beaucoup, Ève Roger.